Il est rendu 10h30, puis j'ai pas envie de me lever de mon lit. Trouble! By the way, je suis obsesse avec mon lit présentement, comme... J'ai jamais aimé la couleur rose. Là, je sais pas, on dirait une princesse, j'aime trop. Je l'ai acheté au Arts. Je vous recommande si vous cherchez de la nouvelle literie. On continue le vlog. J'ai trouvé ce livre en friperie. Je le recommande. Il est petit, mini. Mais les trucs qu'ils disent dedans sont... Bref, c'est le temps d'aller prendre ta douche. Je vais juste montrer my skin right now. Comme, elle s'en vient mieux que je l'avais avant, mais elle a vraiment de la misère. Bref, on se revoit une fois tout préparé. C'est le temps de faire à manger parce que j'ai eu vraiment faim live. Fait qu'on se fait des toasts au... galette de riz parce que j'essaie de couper le gluten en ce moment. J'ai remarqué que quand que je mangeais beaucoup de gluten, mon ventre était super gonflé. Je me sens pas bien. Je sais pas si j'ai une intolérance. Je pense pas que je suis allergique parce que je peux en manger. Je me sens quand même pas malade, mais j'essaie d'en réduire. Fait que ça marche bien avec les galettes de riz. Obviously, je suis encore obsessée avec le bol de peanut. Mais j'en mange moins qu'avant là. Genre, le pot est encore plein puis là, ça fait 2 semaines. Ça chaque matin depuis 2 semaines, puis oh my god, je sais pas si c'est ça, mais comme j'ai tellement d'énergie, je suis pas nutritionniste ou allons donc si c'est vraiment des facts, mais cheers. D'habitude je mets du miel dedans, mais là il y avait pas de miel, fait que ça goûte intense. Je l'ai fait moi-même parce que sinon c'est full cher à l'épicerie, genre what the fuck. Je me sens dans ma gorge. J'ai décidé de retourner dans mon lit parce qu'il y avait du soleil qui rentrait puis c'est trop genre un vibe. Je suis en train de faire ma demande de citoyenneté italienne. Ça fait presque 2 ans que j'essaye de le faire, mais là comme ça s'en vient. Puis je viens de réaliser que j'avais oublié. J'ai comme des papiers importants à remplir. Puis demain je suis supposée aller le porter au consulat italien. A few moments later. Faut que je me motive à aller faire l'épicerie, mais ça me tente pas. On va à l'épicerie. Je sais pas si je suis la seule qui trouve ça trop nice, mais genre d'avoir enfin des souliers. Ah, c'est fun. Let's go! Petit update, j'ai manqué le bus. Le bus est passé littéralement devant moi, mais j'étais comme 2 secondes trop tard. Fait que là, je marche jusqu'à l'épicerie. Là coûtait vraiment trop cher, genre c'est meilleur d'y faire maison. Le bus est tout le temps en retard, sérieusement, que je l'attends puis je me dis que j'aurais dû marcher, ça aurait pris moins long, mais bon.
fait juste sens, c'est que j'ai oublié de reprendre ma carte qu'on est le premier. Est-ce que je suis quand même rentrée? Rudo, hello, mon petit beau, t'es trop beau. J'avais envie de quoi de sucré, donc chocolate time. Je vous ai pas dit, mais ce soir c'est la fête à Chloé. Vous l'avez vu quand même une couple de fois dans mes vlogs. Puis ben moi puis son chum, on a décidé d'y organiser une petite surprise. Donc c'est moi qui fais ça chez moi. Et je m'en vais au Dollarama chercher des trucs qui manquent, genre pour que ça soit plus cute. Ouais, let's go. Fallait recharger ma carte parce que je voulais pas encore reprendre le bus pour une troisième fois puis leur dire j'ai pas ma carte et je viens de faire ça puis on s'en va de la mort. Je viens juste de m'embarrer dehors puis genre ma coloc elle revient pas ce soir, fait que là je suis comme faut que je sonne chez le voisin d'en haut puis c'est vraiment gênant. Ok, il m'a laissé rentrer mais comme let's get started. Comme vous pouvez voir, on a juste deux chaises. Puis là, ben, on va être trois. Fait que je pense qu'il va falloir que je passe sur le divan. J'ai pas de table non plus là. Fait que on va essayer de patenter pas avec des boîtes de carton. Monsieur, t'es bien curieux. J'ai ouvert le placard, c'est le monsieur, il est genre, il capote là. La boîte de trucs de Noël. Fait que là, j'ai mis une boîte de carton. Là, je la recouvre dans un drap, genre, pour hopefully que ça soit cute. Aussi, le gâteau. On va enlever ça. On va le redécorer parce qu'il était trop poke, mettons. Lui ou lui qui est plus cute? Je vais mettre elle à la place de elle puisque ça fait pas avec les couleurs, le bleu. Ouais, ouais, ouais. Mon Master Chef piece. Yo, je le trouve tellement cute là pour vrai. But like, look at it, you know? Je l'ai fucking rendu cute là. I love it. Ok. Ça va aller comme ça ici. On fait check. Ils sont là, ils sont là. J'étais supposée de me lever tôt. Il est rendu 9h30. Donc, j'ai pas vraiment le temps de me préparer avec vous. Je m'avais dit qu'à 9h, je devais partir. Et là, il est 9h30, je suis encore dans mon lit. Donc, je vais aller me préparer, déjeuner tout ça, puis je vous reviens parce que j'ai pas le temps de vous filmer ça. See you! Little outfit check. C'est ça. Il est rendu 10h30 et le consulat italien ferme à 1. Je vous amène avec moi, on s'en va faire toutes les démarches pour aller au consulat. Premièrement, je dois aller à la caisse retirer le montant d'argent que je dois leur donner parce que c'est cash que je dois payer. Deuxièmement, on doit aller à la bibliothèque. On doit aller imprimer les documents puis faire des photocopies de toutes mes pièces d'identité. Et ensuite, on se rend au consulat. Puis il faut que je fasse ça avant 1h. Oh my god, we made it! Je suis tellement contente, ça fait tellement longtemps. Puis comme faudrait expliquer la situation parce qu'à chaque fois, c'est comme il faut un rendez-vous. Mais là, c'est frais, j'ai payé le montant. Et
Ben, on attend pour la prochaine étape qui est le passeport. Ah!